Bonjour à tous et bienvenue en Angleterre. Nous sommes à Uttoxeter, dans la ville qui accueille chaque année l'événement organisé par Tufnell Glass, le Flame Off. J'y suis allée avec Catherine Greer, qui est également créatrice de perles. L'endroit est très agréable, très apaisant. Nous sommes dans la campagne anglaise. Le Flame Off est l'occasion pour les visiteurs d'avoir accès à différents matériaux et accessoires pour le travail du verre à la flamme. Plusieurs tables équipées de chalumeaux sont mises à disposition. Une des choses que je préfère dans ce genre d'événement, ce sont les démonstrations. Vera Roder ouvre le bal et nous explique ainsi comment elle utilise les émaux pour décorer ses perles de verre. Entre deux démonstrations, nous avons toujours la possibilité d'aller flâner du côté des stands. Il y a alors la présence de fournisseurs, mais aussi des artistes qui présentent évidemment leur travail et leur savoir-faire. Certains n'hésitent pas du tout à aller derrière la flamme pour montrer comment ils travaillent. Le Flame Off est l'occasion de se retrouver tous ensemble derrière un chalumeau et de participer à l'élaboration de projets collectifs. C'est pourquoi Cathy et moi nous avons décidé de travailler sur une idée que nous avions en tête depuis un long moment. Rachano Jones nous présente son travail autour du verre soufflé. Il travaille sur du tube en verre borosilicate. Ce jour-là, il nous montre comment souffler un verre à pied et comment l'assembler. Le lendemain, nous assistons à la démonstration de Guy Massender qui va nous montrer comment utiliser un fil de verre si fin qu'il est impossible de le voir à la caméra. La GB UK est l'association anglaise des perliers. Elle propose chaque année un concours dans lequel les membres de l'association peuvent proposer leur création. Le grand gagnant sera désigné par les trois invités d'honneur du Flame Off. Cependant, un deuxième vote est effectué par les visiteurs. Laissons donc place à la créativité. Avec Madeleine et Catherine, nous décidons de réaliser une perle à trois. Et voici le résultat, trois magnifiques perles qui ne demandent qu'à être retravaillées une prochaine fois. Le Flame Off se termine donc sur une très belle note. Je vous laisse donc profiter de ces dernières images avec les moutons et les vitraux typiques de l'Angleterre.